Bonsoir à toutes et à tous. On ne s'y attendait pas, mais voilà que la droite retrouve le débat d'idées. Sarkozy, Fillon, Juppé, chacun y va de ses propositions en vue de la primaire. Xavier Bertrand est le quatrième homme pour l'instant. Il peine à se faire une place dans la bataille des cadors, alors il se singularise. Cet après-midi, il a défilé aux côtés de la Manif pour tous et réclame tout simplement l'abrogation de la loi Taubira. Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, sondera les convictions de mon invité sur la famille. N'hésitez pas, posez vos questions à Xavier Bertrand au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Pense-t-il aux Champs-Élysées parisiens, Xavier Bertrand, en défilant sur les Champs-Élysées de Saint-Quentin? Au bout d'un très joli kiosque, vous avez un jardin paysager et vous avez un terrain de pétanque. Vous vouliez notre réponse? L'Élysée est encore loin? Paris, je crois. À Paris. Alors en attendant 2017, il s'entraîne avec ses administrés pour se préparer à affronter les Français. Et au jeu des questions-réponses, c'est le champion, ou presque. Il y a plein de choses que je sais faire, mais réduire la largeur des voitures, non. C'est comme faire des grappes. Réduire ma largeur, j'essaye de faire des efforts, mais réduire la largeur des voitures, je ne sais pas faire. En revanche, il sait ce qu'il veut faire. Une seule chose, président de la République. Et en bon prince, il reçoit dans son théâtre municipal tous les prétendants à la présidence de l'UMP. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être candidat. Je suis un grand garçon, je fais ce choix parce que je suis candidat à la primaire. S'il n'y a pas de confusion des genres, c'est pas mal aussi. Donc je vais écouter vraiment les uns et les autres. Hervé Mariton m'a dit qu'il viendrait. Il m'a demandé. Nicolas Sarkozy, je lui ai proposé. Hier midi, je lui ai dit, si tu veux venir dans l'Aisne, Saint-Quentin, bienvenue comme les autres candidats. Vous avez redit votre désir d'être président? Oui, je sais. À votre avis? À votre avis, j'ai de la constance oui, dans les propos et dans les convictions. Le soir de la première, c'est pour Bruno Le Maire, qui brigue, lui, la tête du parti. Comment vas-tu gérer les égos de tous ceux qui t'entourent? Parce qu'il y a beaucoup de requins, quand même. C'est marrant, comme on pose toujours la question la plus facile en premier. Et comme il ne faut pas décevoir le public, dans la pièce qui se joue à l'UMP, tous les acteurs doivent faire comme s'ils y croyaient. Tant qu'il y aura des personnalités de la trempe de Bruno Le Maire, je pense que l'avenir de notre famille politique sera plus radieux que certains veulent bien l'écrire ou le croire. Nous avons besoin d'une UMP rayonnante, d'une nouvelle UMP demain. Mais en tout cas, cette histoire s'écrira avec des personnalités de talent et des personnalités de rassemblement, comme Bruno l'a montré ce soir. Merci à toi, Bruno. Merci à vous les uns les autres. Mais à la fin du spectacle, les masques tombent. Monsieur Le Maire, il ferait un bon président de la République, Xavier Bertrand? Bah, en tout cas, il ferait une très bonne personnalité politique de premier plan. Ce serait un ticket gagnant, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire. Pourquoi un ticket gagnant maintenant? Ça complote entre vous? On n'est pas des comploteurs, vous savez. Moi, je n'ai pas du tout une âme de comploteur. On est chacun sur des projets différents. Parce qu'ici, Xavier Bertrand n'a besoin de personne pour aller un peu plus loin que Saint-Quentin. Vous le verrez assez bien, là. Bonjour, bravo. Vous le verriez bien où? À la présidence de la France, bien sûr. Et il a le tof, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a le tof. Parce que je la connais depuis longtemps. C'est pas qu'elle est gentille, c'est parce qu'elle me connaît. Voilà. C'est pour ça. J'ai toujours cru en toi. Et si c'était les habitants de Saint-Quentin qu'il avait convaincu de son destin présidentiel? Je ne sais plus qui disait, qui m'a dit, c'était avant-hier. Les deux fonctions importantes dans la République, c'est maire et président de la République. C'est le droit chemin. Donc c'est que l'une doit préparer à l'autre, mieux préparer à l'autre. Et c'est vrai que vous devez avoir une vision pour la ville, même chose pour un pays. Vous devez gérer votre ville au quotidien, vous devez être attentif dans un pays à tous les problèmes qui se posent pour les Français. Et après, il y a le management. Vous avez une équipe municipale avec des adjoints et des conseillers. C'est un peu comme un gouvernement. Alors un bon maire, c'est comme un bon président. Ça doit veiller à la sécurité de ses concitoyens. Inspection des caméras de surveillance qui voient tout, mais pas encore son avenir. Non. Non, on voit pas ça. Non, on voit pas ça. Ça fait pas mal de choses, mais ça ne prédit pas l'avenir. Malheureusement. Ce serait bien en termes de sécurité. Oui. Il y a des films comme ça. Et dans le film de Xavier Bertrand, c'est lui le président.
Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Alors, ce qu'on voyait dans ce reportage signé Magali Lacrosse et Joël Lefebvre, c'est qu'au fond, c'était assez facile de remonter les Champs-Élysées à Saint-Quentin. Ça sera plus compliqué. Vous avez le sentiment d'entamer une longue marche ? Oui. Oui, c'est une bonne expression. Je ne prends pas les références chinoises, mais oui, c'est vraiment une longue marche. C'est une construction. Une construction personnelle, c'est s'imposer aussi beaucoup d'efforts. Et c'est aussi la construction d'un projet, d'un vrai projet. Et on va y venir sur le terrain des idées, naturellement, parce que comme je le disais en commençant l'émission, c'est la bonne surprise de la semaine. Revoilà le débat d'idées à droite, et il y a eu tout un tas de propositions sur lesquelles on reviendra en détail. Mais vous, je commençais l'émission en disant « le quatrième homme ». Ça vous convient comme expression ? Pour l'instant, vous êtes le quatrième homme, Xavier Bertrand ? C'est pas maintenant le début de la primaire. D'une certaine façon, les préparatifs ont largement commencé. L'élection, la présidence de l'UMP, pour certains, c'est le tour de chauffe de la primaire, mais ça sera seulement en 2016, avec un rendez-vous à l'automne 2016. Mais d'ici là, il y a l'ambition, ça ne suffit pas. La détermination ne suffit pas. Il y a l'organisation, mais surtout la construction. Et moi, qui ai été ministre pendant de nombreuses années, qui suis maire depuis des années, c'est tout autre chose. Ça oblige à bien comprendre la France, bien comprendre les Français et proposer des solutions qui redonneront une vraie vision d'avenir. Les autres ne disent pas autre chose. C'est le passage obligé que de dire il faut comprendre la France, il faut s'organiser, il faut être déterminé. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion ou quand vous voyez l'intérêt qui est porté à la candidature de Nicolas Sarkozy, la tête du parti, ou même à celle d'Alain Juppé, celle de François Fillon, est-ce qu'il y a de temps en temps des moments où vous dites c'est rude ? Non, je le sais. J'ai décidé de me porter candidat à l'élection la plus importante qui soit. Ça ne peut pas être facile. Et d'ailleurs, si c'était facile, ça ne préparerait pas. Mais vous sentez monter dans le pays un désir de Xavier Bertrand ? Écoutez, je sais que quand je me déplace, je sais ce que j'explique, je sais quelles sont les idées que je teste. Et si je ne sentais pas un retour, je ne me donnerais pas toute cette peine, je n'y croirais pas comme j'y crois. Qu'est-ce que vous fixez comme échéance ? Vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'à un moment donné, comme quand un artiste ne rencontre pas son public, vous pourrez dire, bon, voilà, je me laisse une échéance, j'attends jusqu'à un an de la primaire, ou est-ce que, quel que soit votre score au final, votre détermination, elle sera intacte quoi qu'il arrive ? J'ai pas pour habitude de faire semblant, et je ne joue pas placé. Vous savez, j'ai une histoire un peu particulière. J'avais jamais pensé qu'un jour je serais député, et encore moins ministre. J'ai exercé pendant plus de 6 ans des responsabilités ministérielles. Si c'était pour cocher la case député ou ministre, c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de redevenir ministre si c'est pour faire semblant. De faire croire, par exemple, qu'on fera avec les mêmes... le même logiciel de pensée que la fois dernière, la énième réforme des retraites qu'on présentera comme la DRDDR. J'ai plus envie de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une forme ? Donc, et la seule fonction qui vous permette de vraiment conduire le redressement du pays comme vous sentez les choses, c'est la fonction de président de la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas, une forme de prétention à considérer qu'on est de toute façon à la hauteur de cette mission-là que peut être celle d'exercer la fonction de président de la République ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de prétention dans votre démarche ? Ah, c'est certainement pas une réflexion normale, ça, c'est vrai. C'est certainement pas un propos banal ou normal, j'en ai conscience. On vous le dit dans votre entourage ? Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que... Ah, écoutez, autour de moi, ce ne sont pas... j'ai pas autour de moi ceux qui viennent me flatter. Je sais pas pourquoi, mais dans mon entourage, j'en connais pas, je n'en ai pas. Peut-être est-ce pour ça que je les ai choisis. Peut-être est-ce pour ça que leurs conseils sont plutôt des conseils pour m'amener à faire mieux, à aller le plus loin possible, à être moi-même, parce qu'ils me connaissent très bien. Mais non, je n'ai pas ces personnes qui me décourageraient. Peut-être parce qu'elles savent sincèrement qui je suis et elles savent aussi qui je suis en réalité. À moi de faire passer ma sincérité. Un ancien Premier ministre. Et mon authenticité, parce que je crois que c'est important. Et je Alors crois justement, que de plus je pense en plus que la ça différence va... se fera là. Je pense que c'est le sens de ma question. Un ancien Premier ministre, Alain Juppé. Un autre ancien Premier ministre, François Fillon. Un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous avez de plus ? Eh bien, ce que je ne suis pas. Ni ancien président de la République, ni ancien Premier ministre. C'est une qualité ? J'en suis persuadé. Parce que je suis persuadé que si l'on veut vraiment redresser la France, donner une vision à la France de demain, on ne pourra pas le faire avec les idées d'hier, les logiciels et les méthodes d'hier. Je fonctionne en fonction de déclics. Il y a des événements qui provoquent des choses, des réflexions en profondeur chez moi. J'ai notamment bien conscience que dans mes fonctions ministérielles, il y a des choses que j'ai faites plutôt bien. L'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est passé comme une lettre à la poste. On l'oublie d'ailleurs que c'était une réforme difficile. Le service minimum qui évite à notre pays d'être paralysé dans les transports ferroviaires et hélas, pas dans l'aérien ni dans le maritime.
Et sur tous ces sujets, j'ai vu aussi pourquoi on n'avait pas pu aller jusqu'au bout. J'en ai fait un peu un mea culpa personnel et politique. Les autres ne le font pas, à votre avis ? J'en suis pas persuadé. De ce que vous avez entendu jusque-là, vous trouvez qu'ils ne le font pas suffisamment ? Et vous savez, il y a aussi une chose, c'est quand vous êtes formé dans un moule qui vous donne très tôt l'envie d'être président de la République à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, j'en sais rien. Évidemment, on est tourné que vers cela. Moi, c'est quelque chose qui m'est venu dans le dernier quinquennat, quand j'ai vu la façon de faire, quand j'ai vu aussi qu'en politique, il fallait dire la vérité, mais avoir du courage, et le courage qui n'est pas si répandu que ça en politique. Il y a des gens qui ont du culot médiatique, mais du courage politique, ce n'est pas la même chose. Donc je vous le dis, il y a déjà tout cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est la défaite de 2012. J'avais le sentiment qu'on avait voulu bien faire, et en fin de compte, on a été battu, clairement battu. Et enfin, les européennes. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un tropisme, je suis élu de Saint-Quentin, là où le Front National fait des scores très importants. Aux européennes, le Front National, dans mon département l'Aisne, a fait 42%. Et là, j'ai compris aussi que le Front National, et je sentais venir les choses, était premier parti politique de France, et pas par hasard, parce que les Français l'avaient voulu. Et donc, c'est vrai que je vois la façon dont on peut... Vous voyez mieux la France que les autres ? Ah, j'en suis persuadé. Ah oui ? Ah, j'en suis persuadé. Saint-Quentin, le reportage n'a pas tout... C'est une ville populaire dans son âme, qui est à la fois capable de... On voit mieux la France, pardon de vous couper, Xavier Bertrand, on voit mieux la France à Saint-Quentin qu'à Bordeaux. Ou ailleurs, oui, ou de Paris, ou d'ailleurs, oui, si vous voulez, je le pense. Saint-Quentin n'est pas la France entière. Mais Saint-Quentin, il y a à la fois des chefs d'entreprise qui ont envie de réussir et qui sont entravés, et il y a aussi des gens dans des terribles difficultés qu'il faut aider. Voilà aussi, quand je dis que je ne veux pas d'une droite dure avec les plus fragiles, c'est parce que je sais qui ils sont. Je tiens mes permanences de maire sans rendez-vous, et je vois la misère de certains qui ne demandent qu'à, s'ils sont aidés à travailler, à s'en sortir... Et d'autres qui disent, mais libérez-nous. On va faire le tour de vos propositions sur le fond. Vous en avez fait depuis d'ailleurs pas mal de mois maintenant. Pour réussir, il ne faut pas être seul. Il faut avoir une famille politique, il faut avoir des soutiens, des alliés. Comment vous vous sentez dans cette famille politique telle qu'elle est aujourd'hui, avec des ambitions exprimées par les cadors, ce que j'appelle les cadors de l'UMP? Comment vous vous sentez dans cette famille-là, traversée par des scandales, l'affaire Big Malion entre autres? Elle vous ressemble, cette famille ? Je suis pas. Enfin, quand je vois les militants, oui, ils me ressemblent. Ça, c'est évident. Au niveau national, c'est vrai que nos bureaux politiques, que j'ai un petit peu tendance à déserter en ce moment, c'est pas que je m'y sens moins à l'aise, mais j'ai pas le sentiment qu'on prenne vraiment le pouls de ce que pense la société française, de ce que pensent nos adhérents. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là. Par ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous parliez de solitude tout à l'heure. Il ne faut pas chercher à montrer ses muscles en disant « j'ai tant de soutien » ou « j'ai tel soutien ». Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne fonctionne plus de cette façon. Je pense qu'il faut d'une certaine façon se méfier de l'hyperprésence médiatique, parce que je pense que ça fausse les choses. Quand je me déplace aujourd'hui, il m'arrive d'être accompagné, parce que vous m'aviez demandé pour me suivre, mais je fais de très très nombreux déplacements où je ne souhaite la présence de personne, parce que si je suis accompagné de journalistes politiques nationaux, je ne vais pas parler avec les Français qui sont là. Je vais parler pour les journalistes en faisant attention à ce qu'ils vont dire. Je suis allé au SPAS, le salon de l'élevage à Rennes. J'ai passé toute la journée sans aucun journaliste national. Parce que je pense que si je veux comprendre où en est aujourd'hui l'agriculture, ses projets et son malaise, il faut qu'on puisse se parler parfois virilement, ça a été le cas, mais très directement. Il n'y a que comme ça que je peux construire un projet. Fillon, Sarkozy, Juppé... Comment est-ce que vous appréciez, comment vous jugez à la fois l'entrée en campagne du sans doute futur président de l'UMP, ce nouveau Juppé qui se révèle, qui assume son ambition, et ce François Fillon qui s'assume en homme de la rupture? Ça vous laisse sans voix. Non, c'est pas ça. C'est que je ne veux pas être un commentateur sur les parcours, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Mais ça promet un beau débat d'idées. Comme adversaire, j'entends, pas comme commentateur. Concurrent. Oui, concurrent. Mais je vais vous dire, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est le fond, les lignes de fond, les différences de fond. Celles-ci, les différences de projet, elles sont légitimes. Et ça nous promet, je le pense, un beau débat pour la primaire, parce que la primaire ne va pas être un concours de beauté, mais ça va être l'occasion d'un vrai débat sur le fond. Vous avez déjeuné avec Nicolas Sarkozy cette semaine. Mercredi. Est-ce que vous lui avez promis votre ralliement le moment venu ? Non. Et si vous me posez la question, c'est que vous ne me connaissez pas bien. Ça veut dire que vous l'excluez, pardon, de reprendre une expression qui a été utilisée souvent par François Fillon, quoi qu'il arrive ? Je lui ai dit, comme j'ai dit à Bruno Le Maire, comme j'ai dit à Hervé Mariton, que je me prononcerai, je ne me réfugierai pas derrière une neutralité pour dire quel sera mon choix, mais je le ferai à la fin, après avoir entendu les uns et les autres. Et j'aimerais que les uns et les autres me parlent davantage de l'UMP.
Parce que j'ai bien conscience qu'il s'agit de l'élection, la présidence de l'UMP, mais on n'en parle pas beaucoup de l'UMP. Mais c'est curieux, parce que quand vous dites ça, pardon, je ne vous crois pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il attend, Xavier Bertrand ? Pourquoi est-ce qu'il attend d'avoir des propositions pour l'UMP, au fond ? On les a déjà sur la table, les propositions non, pour l'UMP. Absolument pas. Xavier... Absolument pas. Attendez. Bruno Le Maire l'a fait, Nicolas Sarkozy l'a fait, Hervé Mariton l'a fait. Qu'est-ce que vous attendez réellement ? Caroline Roux, ne cédez pas à cette tentation médiatique d'aller juste sur les mots et les concepts. Moi, j'attends du concret. Parce que si l'on pense que l'UMP doit avoir, d'une part, une réorganisation en profondeur, il faut quasiment tout changer, à part ses militants et ses valeurs. Si l'on pense également qu'à l'UMP, il faut s'opposer de façon ferme, résolue, à François Hollande, à Manuel Valls, mais aussi commencer à inventer le nouveau projet pour cette nouvelle France, moi je n'ai rien entendu pour l'instant. Donc rien. Ça veut dire que c'est possible qu'un jour Xavier Bertrand, qui a été parfois dur avec Nicolas Sarkozy, dise « je le soutiens parce que son projet, parce que son programme pour l'UMP me convient ». Je me prononcerai à la fin, mais ne doutez pas de ma cohérence. Vous faites allusion à quoi ? À ce que j'ai dit au mois de juin ? Oui. Je ne retire rien à ce que j'ai dit. Je le pensais, je l'ai dit. J'ai dit ce que je pensais, je ne retire rien. On continue à parler un peu de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy poursuit sa campagne de terrain et retrouve les militants. L'ancien président multiplie les propositions. Il est contraint à un numéro d'équilibriste, galvaniser ses troupes, mais aussi parler à la France. Il était dans l'Aube, jeudi soir, reportage Yacine Mili et Pierre Dehorne. Une arrivée par la grande porte. Nicolas Sarkozy est très attendu. Et la mise en scène de son retour en politique est soignée. Un peu plus tôt, ce sont quelques 2500 militants qui se sont donné rendez-vous pour venir voir la bête de scène. Nous sommes à Saint-Laurent-les-Villas, dans l'Aube, fief de François Baroin. Le rendez-vous se joue à guichet fermé. Stop ! Mais on veut que tout se passe dans le plus grand calme possible, la bonne humeur. Tous ici sont curieux d'entendre ce que le candidat Sarkozy a à dire, curieux aussi de comparer. Je suis allée voir déjà Bruno Le Maire, donc étant donné que je suis jeune UMP, je viens voir les idées de Nicolas Sarkozy, ce qu'il a proposé, voilà. Mais la plupart sont conquis d'avance. C'est notre sauveur. On rêve de quelqu'un qui va relever la France, parce que là, on est en train de dégringoler à fond. Face à la salle, l'ancien président de la République se lance alors dans un exercice inédit pour lui. Près de 2 heures de questions-réponses face aux militants. Certaines ont été posées avant le meeting sur son site internet. Pour les autres, des micros passent dans la salle. Est-ce qu'il serait possible de revenir sur la réglementation thermique 2020 ? Réglementation environnementale, aide à l'embauche ou encore réforme territoriale, tout y passe, ou presque. Et à chaque fois, Nicolas Sarkozy tente de convaincre. J'ose espérer que les amorces de réponse qu'il a données soient mises en place derrière le plus rapidement possible. Quand même. Officiellement, Nicolas Sarkozy n'est encore que candidat à la présidence de l'UMP. Mais au cours de ce meeting, il parle aussi de la baisse des prélèvements obligatoires, la création d'un CDD de 5 ans dans la fonction publique ou encore le retour des heures supplémentaires défiscalisées. Des thèmes qui semble dessiner les contours d'un futur programme pour la France. Et le candidat ne veut éviter aucune question, y compris celle que la salle n'ose pas lui poser, comme son implication dans l'affaire Big Malion. Vous savez que je me promène dans la rue sans masque. Que quand je fais un meeting, ça se sait. Que quand je me déplace, on connaît le prix des salles. Que les micros sont des vrais micros. Que la scène est une vraie scène. J'ai fait le même nombre de meetings que M. Hollande. Et nous avons déclaré dans notre campagne 40% de prix en plus. On vient maintenant m'expliquer que c'est nous qui avons sous-estimé les prix. La campagne de M. Hollande avec les primaires, alors ça c'est parfait. La mienne doit être revisitée, recalculée, reanalysée. Au moins il y a une bonne chose. Je sais qu'il n'y a pas de problème d'effectif dans la magistrature et dans la police dès qu'il s'agit de Sarkozy. Ce soir-là, le candidat a tenu à resserrer les liens et les rangs. À l'UMP, la formule des questions-réponses plaît tellement que Nicolas Sarkozy a déjà une dizaine d'autres réunions publiques de prévues. Dès demain, il prendra la route de Vélizy, dans les Yvelines. Elle vous inspire quoi, ces images de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que ce retour vous bluffe ? Est-ce que...
Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez Nicolas Sarkozy de retour sur scène, j'ai envie de dire ? Écoutez, depuis quelques mois, je l'avais compris qu'il reviendrait sur sa décision de ne plus faire de la politique comme avant. Je l'avais dit, donc c'est sans surprise. Comme il est sans surprise qu'il sera élu à la tête de l'UMP. Là, ça ne vous surprend pas, ces images qu'on voit ? C'est le Sarkozy d'avant ? 2012, j'ai le sentiment que c'est un fil qui avait été interrompu pendant 2 ans de la campagne de 2012. Ça a plu ? Le même personnage, avec la même énergie et les mêmes idées qu'en 2012. Donc c'est pas un retour qui vous surprend et surtout qui vous enthousiasme pas. Mais écoutez, je suis pour ma part candidat à la primaire. Ne me demandez pas de m'enthousiasmer pour le parcours des uns et des autres, dont on sait pertinemment que Nicolas Sarkozy sera candidat à la primaire, c'est clair. Vous ne voyez que votre futur adversaire. Non, alors, attendez. Les adversaires sont des adversaires politiques. Ils sont à gauche et ils sont à l'extrême droite. Je n'ai pas d'adversaire, je n'ai pas d'ennemi dans la famille politique. C'est le grand retour du débat d'idées à droite. Et pour ça, on vous dit merci, parce qu'il y a eu énormément de propositions des uns et des autres cette semaine. J'en ai sélectionné quelques-unes avec cette question que je me suis posée. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça n'est pas possible ? François Fillon qui propose 110 milliards d'économies en 5 ans. Nicolas Sarkozy qui propose un contrat de 5 ans pour les fonctionnaires. Alain Juppé qui propose de sortir du carcan des 35 heures. Quand vous voyez ces propositions-là, qu'est-ce que vous dites ? Et c'est au service de quel projet pour la France ? Parce que faire un catalogue de mesures, tout le monde sait faire. Mais il y a plusieurs sujets. La première, c'est quelle vision pour la France et les Français ? Fillon, vous la connaissez la vision ? Non, c'est clair ? Non mais attendez. Dire qu'on va faire des économies, très bien, mais elle est où la croissance dans tout cela ? Parce que le vrai sujet pour notre pays, c'est de renouer avec la croissance, de créer des emplois et de préserver des emplois. Donc, je vous ai posé une question très très précise. Mais attendez, je vous dis, je peux pas vous dire... 110 milliards d'économies en 5 ans, ça vous paraît possible ? Vous connaissez ces dossiers parfaitement. Est-ce que ça vous paraît crédible comme proposition ? Est-ce que c'est possible ? Oui, mais sans créer de cassure dans la société française. J'attends de savoir comment François Fillon le voit, dit les choses et voit les choses. C'est ça le premier élément. Deuxième chose, c'est que je n'ai pas vu de projet global. Il est peut-être encore un peu tôt pour certains, mais c'est à ça que je travaille en ce qui me concerne. Parce que si vous baissez les dépenses, ça doit être au service d'une chose. Baisser les impôts, je crois que François Fillon n'y est pas favorable. Donc moi, je suis d'accord pour baisser les prélèvements, mais pour baisser les impôts. Si on prend trop aux Français, c'est parce qu'on donne trop. Donc il faut revenir sur la dépense publique au niveau des collectivités locales, de l'État et de la société. Des collectivités locales. Voyez, là, vous me demandez de faire un peu de zapping sur telle ou telle proposition, mais c'est au service d'un ensemble. Je pense que les Français, on leur donne des propositions comme celle-ci, alors ça fait l'actualité pendant une semaine, on leur dit François Fillon propose 110 milliards d'économies en 5 ans. Après, on leur dit Nicolas Sarkozy mais propose... Est-ce que derrière, il veut baisser les impôts ? Je ne le crois pas, je suis pour la baisse des impôts. Ça, c'est le premier exemple où une différence sur le fond. Ce n'est pas un drame. Tout en sachant qu'il faudra aussi faire ses économies. Le mur de la dette, titre aujourd'hui le JDD, il y a un moment donné, personne n'échappera à cette réalité-là. Mais personne n'y échappera. Et on n'aurait pas dû y échapper depuis 30 ans, droite et gauche confondues. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette situation de discrédit vis-à-vis de la politique, bien sûr. Vous voulez qu'on prenne les autres propositions ? Oui, allons-y. Nicolas Sarkozy, un contrat de 5 ans pour les fonctionnaires. C'est une bonne idée ? Je suis moi pour autre chose, parce que je vois que l'idée, je la défends depuis longtemps, elle est maintenant reprise, tant mieux, ce qui montre donc que j'ai des idées, à moi de rester à l'avant-garde. Ce que je propose pour les fonctionnaires est différent. Je propose que pour tous les nouveaux entrants dans la fonction publique, tous les nouveaux fonctionnaires, ceux qui sont sur des missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire l'autorité de l'État, je pense notamment magistrats, les policiers, eux gardent le statut de fonctionnaire. Mais que par contre, la secrétaire administrative au commissariat, de 50 ans ou d'ailleurs, n'est même pas un contrat de 5 ans, ce soit un contrat de droit privé, comme dans le privé. Et là, ça change tout. Parce que 5 ans ou plus, vous avez une charge pour l'État qui est supplémentaire. Or, ça pourrait très bien être des contrats de droit privé. Vous voyez, excusez-moi, mais je veux rentrer plus dans le détail. Parce que vous êtes là pour ça, hein. C'est le principe même de ces politiques, on vous laisse du temps pour le faire. Donc ne nous faites pas ce procès-là. Je ne fais aucun procès. Je fais très attention à avoir des idées nouvelles, mais des idées sérieuses et solides. C'est sérieux de parler de la suppression de 600 000 fonctionnaires en France, c'est possible de faire possible. Ça Oui, c'est possible. Mais attendez, c'est une encore proposition une fois, de François Fillon. Je ne suis pas comptable et je n'aime pas la politique des comptables, où on dit notamment il faut supprimer tant de postes. Non, où il faut les garder. Vous prenez notamment à l'hôpital, on veut appliquer le non-remplacement d'une infirmière sur deux qui part à la retraite.
Alors qu'il y a un cruel besoin à l'hôpital d'avoir moins de postes administratifs et plus de soignants. Si vous ne savez pas faire du sur-mesure, passez votre chemin, ne soyez pas candidat à la présidentielle. C'est ça, il faut bien évidemment des objectifs de réduction des dépenses, je m'y engagerai. Mais seulement, il faut être capable de regarder dans le détail. Les Français, eux, veulent savoir en quoi la politique s'adresse à eux et à leur situation à eux. Donc, pas qu'elle leur passe au-dessus de la tête. Donc ça veut dire que dans ce que vous avez lu ici ou là, ou entendu ici ou là de des propositions de vos concurrents, est-ce que vous y voyez des projets sérieux? Je fais commentateur alors? Non, pas du tout. Non. Vous êtes un acteur politique. Ça me renforce dans ma conviction d'aller tout au bout de ma démarche et de continuer à être sur des solutions vraiment nouvelles. Après, il y a aussi un sujet, la méthode. Le projet est important, mais la méthode sera tout aussi importante. Parce que vous savez, les gens nous disent, ou me disent, vous avez des bonnes idées, Monsieur Bertrand, mais pourquoi vous réussiriez là où les autres n'ont jamais réussi avant? Pourquoi vous réussiriez à mener notamment la réforme des retraites ou à nous rassurer quand tous les autres ont mené des réformes depuis maintenant quasiment 20 ans sans réussir? Je peux vous donner l'exemple des retraites. Il est assez intéressant. François Fillon dit 65 ans. Nicolas Sarkozy va encore moins loin en disant 63. Je pense qu'il faut faire différemment des deux projets, à la fois de François Fillon et Nicolas Sarkozy. Parce que, écoutez, moi-même, j'ai été rapporteur du texte sur les retraites, j'ai mené des rendez-vous, et on a toujours fait croire aux Français que là, ça y est, ils seraient tranquilles, et qu'on serait tranquille pour longtemps. La vérité, c'est qu'on a fait les retraites au maximum pour éviter que la rue ne bloque, que la contestation ne bloque, et on aurait dû avoir l'honnêteté de dire, on est allé aussi loin qu'on pouvait le faire, en étant sûr de ne pas faire marche arrière. Sauf que, regardez, 63, 65 ans, ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'où ? Et ça ne suffira pas. Il faut faire évoluer le système, il faut changer le système. Vous dites 63 ou 65 ans, ça veut dire qu'on n'a que l'âge pour régler le problème des retraites. Alors dans 10 ans, dans 20 ans, on va faire bosser les Français jusqu'à quoi ? 75, 80 ans ? Vous dites quoi alors ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer le système et le mettre avec deux pieds, deux jambes. La répartition comme aujourd'hui. Les actifs cotisent pour les retraités, mais en même temps, Caroline Roux, si vous ne mettez pas dès maintenant en place une deuxième jambe, un deuxième pilier, la capitalisation... Oh, quel gros mot ! Eh oui, eh ben voilà. Eh ben moi, je n'ai pas peur des tabous et je n'ai pas peur des gros mots, comme vous disiez. Parce que ça fait peur à qui ? À une classe politique qui, depuis des décennies, c'est pertinemment que ça froisse les syndicats. Mais les Français, ils n'en ont pas peur de ces mots. Parce que les Français ont compris qu'en vivant alors plus mettons, longtemps... Alors mettons du concret derrière un mot On ne réussirait pas à financer les retraites. Xavier Bertrand, ces deux jambes-là permettront de payer les retraites de mettons tous les Français. Mettons du concret derrière un mot. Qu'est-ce que ça veut dire, capitalisation? Ça veut dire un système d'épargne. Aujourd'hui, vous avez le système de base et vous avez les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires, elles sont en train de s'éteindre. Tout le monde le sait. Les Français le sentent, mais personne n'ose le dire. Plutôt que d'avoir ce deuxième étage où, par vos cotisations, vous alimentez un système qui ne tient plus, par vos cotisations, vous alimenterez votre compte à vous en plus, pas la place en plus. Mais les Français qu'ils peuvent, depuis des années, ils le font. Les politiques ne veulent pas le comprendre. Ça s'appelle l'assurance-vie. Sauf qu'il faut pouvoir garantir à ceux qui n'ont que leur travail c'est pour le sujet. Préparer leur retraite, d'avoir la répartition avant tout, et pour les autres, au fur et à mesure, de mettre ce deuxième étage. Et si vous faites ça, peut être comme la Suède, vous aurez mis sur un pied d'égalité totale, régimes spéciaux, fonctionnaires, parlementaires, privés, ok, vous aurez un système par points qui sera hyper lisible, et le système des retraites sera enfin dépassionné, mais il faut des politiques qui n'ont pas peur. Une question de fond, Xavier Bertrand. Dans toutes ces propositions qu'on voit, les vôtres, celles de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, à la fin, on se dit toujours, est-ce qu'on peut se faire élire en disant la vérité ? Vous pensez que les Français sont prêts à ça ? Oui. Il faut savoir faire preuve de pédagogie, expliquer les enjeux, les modalités des réformes. Et il est vrai que mon parcours ministériel, qui a été ponctué de nombreuses réformes, peut-être plus que d'autres, me donnera certainement plus de crédit a priori, mais à confirmer derrière. Et puis vous le voyez, parce que la question, vous auriez pu me poser sur Alain Juppé, sur les 35 heures. Oui. Dans le reportage, un Continuois aurait pu le dire, en politique, il y a les faiseux et les diseux. Parce que... Il y a ceux qui font, il y a ceux qui disent. Tous les propos, aujourd'hui, sont frappés par cette question immédiate de la part des Français. Et pourquoi ils feraient ? Ça fait tellement de temps qu'on nous promet. Et il n'est justement... pas crédible pour tenir cette promesse, Alain Juppé ? Mais il est crédible comme toute la classe politique depuis 30 ans, qui n'ont jamais réussi à nous éviter un chômage de masse, un mur de la dette, comme vous le disiez tout à l'heure. Et du jour au lendemain, on va dire, non, ça y est, j'ai compris. Si vous ne proposez pas une méthode différente... Vous excluez un petit peu facilement de cet univers-là.
J'ai dit moi-même que depuis 10 ans que j'ai été ministre, j'ai reconnu en quoi j'avais pu faire les choses et en quoi j'avais hésité à les faire et pour quelles raisons. Et l'obsession qui est la mienne aujourd'hui, c'est d'être connecté à ce que veulent les Français, à ce qu'ils sont capables d'entendre et aussi de faire la pédagogie pour aller plus loin que ce principe de base. Alors, il y a un sujet sur lequel je pense que vous vous singularisez, en tout cas vous avancez des propositions très fermes, très claires, c'est la question du code de la nationalité, où vous durcissez vos positions, en tout cas c'est l'impression que ça donne, hein. Vous allez me dire si je me trompe. Et en gros, vous dites qu'il faut que ce soit une acquisition de la nationalité qui soit plus automatique, mais qui repose sur le volontariat, la volonté de cet enfant issu de l'immigration. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous en arrivez à cela. Ça repose sur quelle problématique, cette proposition-là? La première des choses, c'est que ces questions m'ont toujours intéressé. Mais avant, on m'interrogeait que sur les questions de santé, de relations sociales, alors que je m'intéresse aux différents sujets, comme la défense, où j'ai eu l'occasion de m'exprimer et d'éviter la catastrophe budgétaire au mois de mai. Mais je pense qu'il faudra rester mobilisé. Sur la question de nationalité, j'ai vu aussi comment nous n'avions pas réussi dans le débat sur l'identité à convaincre les Français que cette question était essentielle. Et je vais plus loin que cette question de la nationalité. On ne peut pas devenir Français par hasard et sans le vouloir vraiment. Ce qui arrive aujourd'hui. Vous êtes né en France, de parents étrangers, vous deviendrez Français. Vous n'avez même pas à dire à un moment donné « je veux devenir Français ». Vous n'aurez même pas vraiment à formaliser ce choix. Donc je veux que le code de la nationalité soit changé et qu'on vienne un droit de la volonté. J'ai la volonté de devenir Français parce que c'est un honneur, mais je vais plus loin. Je ne m'arrête pas seulement sur cette question de la nationalité. Je viens aussi sur... Pardon, restons sur cette question de la nationalité. Qu'est-ce qui se passe au bout? Je veux devenir Français. Y a qui juge de vous votre passerez, niveau vous passerez devant une autorité qui, justement, regardera quelle est aussi votre volonté. Si vous maîtrisez véritablement les fondamentaux du français et si votre c'est comportement... C'est pas déjà le cas, ça? Bien on ne demande pas d'apprendre le français, de maîtriser la langue. Attendez, ne confondons pas le fait de confirmer la nationalité française et la naturalisation. C'est une chose vraiment différente. Et puis aussi derrière, que votre comportement soit compatible. Et sinon? Eh bien, dans ces cas-là, vous n'aurez pas la nationalité française, par exemple, à votre majorité. Et quelle est votre nationalité? Si la France vous refuse la nationalité, alors vous êtes né sur le territoire français, vous êtes quoi, apatride? Bien souvent, vous avez la question de la double nationalité qui est posée. Et maintenant, je voudrais aller plus loin sur la question des apatrides. Parce que j'ai proposé, notamment, dans le cadre de notre lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, par exemple, que pour ceux qui aillent faire le djihad, on puisse leur retirer cette nationalité. Alors, bien évidemment, pour les binationaux, c'est possible. Mais ceux qui seraient apatrides, j'ai demandé à ce qu'on engage une réflexion sur le plan international, parce que c'est très facile, c'est très commode, de dire, si je vais faire le djihad, qu'on ne peut pas me retirer ma nationalité, donc ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon problème. Si, il faut engager cette discussion. Je ne comprends pas qui vous visez avec ces propositions-là. Qu'est-ce que vous cherchez? Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre? Je veux tout simplement bien montrer qu'on ne devient plus français par hasard, et que si on est français, c'est qu'on l'a voulu aussi, et qu'on en a manifesté les preuves de cette volonté. Je peux aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que ça. Très vite, il faut qu'on avance sur la manif pour tous. Oui, mais il y a aussi la question d'une nouvelle politique migratoire, parce qu'il nous faut des quotas, cela a souvent été dit, ça doit être mis en œuvre, mais il nous faut aussi revoir les principes d'accession aux aides sociales pour les non-européens, parce que vous avez aujourd'hui un scandale dont on ne perçoit la réalité qu'à quelques occasions. Il y a des passeurs criminels qui laissent venir des gens notamment d'Afrique, du Maghreb, dans les pays qui sont touchés aussi par les crises, quelles qu'elles soient. Il y a des milliers de personnes qui meurent, qui disparaissent au large d'Europe, en Méditerranée. Mais il est aussi criminel de laisser croire qu'on peut venir en Europe alors qu'il n'y a pas d'emploi pour bénéficier des prestations sociales. Ces nouvelles règles, nationalité et immigration, il faudra qu'elles soient revues et pour ça il faudra modifier la Constitution française. Cela ne pourra se faire que par un référendum. Jamais la classe politique ne modifiera ces règles en profondeur. Il n'y a que les Français à qui on doit poser la question. Le sujet d'ailleurs de l'immigration est l'un des sujets qui a le plus touché et transformé la France depuis l'après-guerre, mais seulement on a toujours refusé d'avoir ce débat public et politique depuis les années 80, parce qu'il y avait le Front National dans le paysage politique. Cette fois, il faut interroger les Français. Alors, la manif pour tous, je le disais, vous avez une position assez tranchée sur le sujet, et donc la manif pour tous est de nouveau dans la rue. Les économies budgétaires sur la politique familiale annoncées cette semaine ont réveillé le mouvement. Dans le cortège, on a croisé quelques élus UMP. Reportage Elisa Coudray et Grégory Roudier. Voilà, voilà, voilà,
Surtout, restez mobilisés, coûte que coûte. Cet après-midi, ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de Paris. Plus d'un an et demi après l'adoption de la loi Taubira, la manif pour tous ne désarme pas. 8h30 ce matin, les organisateurs du mouvement sont sur le pied de guerre. Leur pari, continuer à peser sur le débat public. Voilà, c'est d'ici qu'on va avoir l'animation finale avec les prises de parole des dirigeants du mouvement. Et voilà, toute la foule sera massée sur cet axe puisqu'ils vont arriver du boulevard du Montparnasse. Confiant. Et qu'importe si Manuel Valls a fait un geste cette semaine en condamnant fermement la GPA. Nous voulons dénoncer le double discours, l'hypocrisie du gouvernement qui dit que l'agitation pour autrui, le principe des mères porteuses reste interdit en France, mais favorise sa fraude, notamment en laissant le maintien de maintenant la circulaire Taubira de janvier 2013 qui permet la régularisation des enfants nés de GPA et qui sont ensuite importés en France. Mais aujourd'hui, les revendications allaient bien au-delà de la GPA. Ces manifestants disent défendre la famille. Vous avez besoin d'une pancarte pour manifester ! Réduction des allocations du congé parental. Les dernières mesures annoncées par le gouvernement n'ont fait que renforcer leur détermination. C'est un ensemble de choses qui aujourd'hui fait qu'on veut détruire la famille. Et sans famille, on s'en sortira pas. La France s'en sortira pas sans famille. Cette loi récente qui consiste à dire qu'on va, au nom de l'égalité, répartir de manière équitable entre les deux parents le congé parental, on sait bien que c'est une escroquerie. On a affaire à un gouvernement qui passe son temps à nous mentir, il continue, 8 jours avant même les manifestations. Que voulez-vous ? Nous sommes là et nous continuerons. Des familles en colère qui en appellent aux élus de l'opposition. C'est évidemment un enjeu. La défense de la politique familiale, c'est un enjeu. Le fait de refuser la GPA, c'est pour moi un sujet qui est fondamental. Donc oui, c'est un enjeu et on doit se battre sur ces questions. Tous ceux qui sont ici ont envie que les politiques soient claires, qu'on ait un message clair. Avec d'autres, je suis favorable à l'abrogation de la loi Taubira, parce qu'il faut être clair, quand on a une mauvaise loi, il faut être capable de la changer, sinon à quoi on sert dans l'opposition ? Alors soyons clairs. Il y en a qui le sont moins, mais moi je suis clair, et d'autres ici aussi. Alors abrogation ou non, à droite, les leaders seront sommés de s'expliquer. Alors, j'ai été très étonnée de ne pas vous voir avec l'écharpe tricolore, Xavier Bertrand. Vous y étiez ou vous n'y étiez pas là ? J'y étais, comme dans les précédentes manifestations. Mais vous me disiez tout à l'heure ma singularité, c'est que je défile en tant que citoyen et je n'ai pas besoin d'être juste devant les caméras de télévision. Vous cachez ? Derrière la bande... Me cacher ? Non, je ne sais pas. Logiquement, vous aviez votre place à côté de vos camarades. Ce n'est pas vraiment dans mon tempérament. Et je crois d'ailleurs qu'il a été fait état sur les réseaux sociaux de ma présence. J'avais d'ailleurs dit que j'irais. Je n'ai pas pour habitude de me cacher, ni taire mes convictions, ni me cacher. En revanche, je vais vous dire une chose. Les différentes manifestations auxquelles j'ai participé, je l'ai fait davantage en tant que citoyen qu'en tant qu'élu. Ça change quoi ? C'est important, cette distinction, en fait, entre les deux ? Parce que dans la manif pour tous aujourd'hui, oui, j'ai discuté beaucoup avec les personnes qui étaient dans le défilé. Alors que derrière la banderole avec les élus, vous discutez avec les élus, vous avez plein d'autres occasions de les voir et de le faire. Non, je vais plus loin. En tant que parlementaire, je peux et je dois m'exprimer à l'Assemblée. Dans les médias, regardez, ce soir vous m'invitez parce que je fais de la politique et que je suis candidat à la primaire. Mais dans cette manifestation, que j'ai été candidat ou que j'étais parlementaire ou pas, j'y serais allé. Et donc ma place, c'était d'être aussi avec les gens de ma région. Et puis aussi de pouvoir interroger autour de moi. Et c'est mieux que ça. Et je laisse la parole maintenant à Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, qui va vous tester sur vos convictions en matière de politique familiale. Karl. Merci Caroline. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Alors justement, sur cette manifestation contre le mariage pour tous, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'UMP est assez divisé. Si on prend les propositions de Fillon, de Juppé, de Sarkozy, on voit bien qu'il n'y a pas... On les voit là sur le tableau, il n'y a pas de ligne directrice. C'est un peu compliqué, vous avez raison. C'est un peu compliqué. Il y a des gens comme Hervé Mariton, c'est assez clair, Laurent Wauquiez voilà. Aussi, je crois, mais... Alors avant d'avoir vos positions, il y a eu un sondage aussi, ce matin, qui est sorti pour ITL, un sondage Oxoda, qui montre que 56% des sympathisants UMP ne souhaitent pas que vous reveniez sur la loi. Donc une question simple, est-ce que vous êtes favorable au retour à la loi ? À la suppression de la loi Taubira. Oui, parce que la loi Taubira, l'engrenage Taubira, vous amènera forcément à la GPA et à la PMA. On Donc peut on tourner revient ça dessus. Dans tous les sens. À partir du moment où il y a l'égalité parfaite entre les sexes, sur la question de la filiation, tôt ou tard, Conseil d'État ou Cour de cassation,
ou Cour européenne des droits de l'homme, vous aurez forcément, malgré toutes les dénégations du gouvernement, quels que soient les gouvernements, vous arriverez à la PMA et à la GPA. Alors voilà pourquoi on remplace je suis favorable à l'union pour les couples homosexuels. J'y suis totalement favorable. Et nous aurions vraiment dû faire évoluer le PACS à l'époque, comme nous l'avions promis en 2007. Et d'ailleurs, une grande règle, les réformes que vous ne conduisez pas vous-même avec vos valeurs, il ne faut pas s'étonner un jour que d'autres, avec des valeurs différentes, les fassent à votre place et les fassent mal ou en allant trop loin. Donc ce que vous proposez aujourd'hui, c'est de dire la loi Taubira, on l'enlève, on en vote une autre. N'ayons pas peur des mots. Réécriture, abrogation, je suis prêt à dire abrogation. Et vous proposez une union civile alors ? On ne reviendra pas au PACS. Le PACS était incomplet. Voilà pourquoi il fallait le faire évoluer. On ne démarrerait personne. On ne désadopterait personne. Alors, bien évidemment. Dans quelle situation se retrouveraient les couples qui se sont mariés sous le régime de la loi Taubira et qui, ils resteront sur les mêmes... C'est pas nouveau en France. Vous savez qu'il y a eu des époques au XIXe siècle où, par exemple, le divorce a été abrogé, il a été rétabli quelques décennies après. On n'a pas obligé les gens à se remarier. L'histoire juridique française, les solutions juridiques françaises font que, bien sûr, il y aura différents statuts qui vont coexister à un moment donné, mais qu'à partir de cette nouvelle loi qui sera une loi à partir de l'abrogation de la loi Taubira, vous aurez un nouveau dispositif où l'union sera tout à fait possible, bien évidemment, mais la filiation ne sera pas possible pour les couples de même sexe. D'accord. Nicolas... J'essaye d'être le plus clair et le plus simple possible. Bien sûr, c'est une question, vous savez, c'est une question en conviction, je sais bien, que certains me disent « Ah, c'est pas moderne ton histoire, tu devrais pas dire c'est ça. » C'est ce qu'a dit Alain Juppé, hein, c'était le sens de l'histoire. C'est quoi le sens de l'histoire ? C'est la gauche qui écrit le sens de l'histoire ? Et quand j'entends certains de mes amis politiques dire « Ah ben on n'y peut rien, vous savez, ça a été voté par la gauche. » Mais alors les 35 heures, on va nous faire croire qu'on va revenir dessus ? Ah ben non, on ne peut pas, c'est le sens de l'histoire, la gauche l'a voulu, on ne peut pas. Non, il faut faire très attention. C'est comme si on acceptait de dire que la gauche est en échec total sur les questions économiques, mais qu'en matière de choix de société, ce sont eux qui ont raison. Je ne le crois pas. Comme je réfute cette idée qui consiste à dire qu'il y a des réformes qui sont indispensables en France parce que les autres pays le font. Notamment sur la fin de vie ou sur la question du mariage. Non, rien ne nous oblige à avancer à un rythme qui n'est pas celui de la société française et certainement pas en nous calant sur les autres pays. Et si en plus on me fait croire qu'en étant engagé dans la vie politique, je ne peux pas revenir sur ce texte, mais il ne faut pas s'étonner que les Français nous disent « mais ça ne sert à rien de voter pour vous ». Et ils auraient raison. Il y a même une question qui se pose. C'est quel avenir nous devons réserver à l'interprétation et à l'application de textes par la Cour européenne des droits de l'homme. On est en train de se lier complètement les mains, les normes de l'Organisation internationale du travail, les réglementations qui viennent, la jurisprudence liée à la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas s'étonner un jour qu'on dise aux Français « Écoutez, vous pouvez voter pour nous, mais nous, on ne peut plus rien faire ». Voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi changer cette dimension européenne. Nicolas Sarkozy propose, lui, carrément d'inscrire dans la Constitution l'interdiction de la GPA et de la PMA. Vous êtes prêt à aller jusque-là aussi ou... Mais quelle est sa position sur à Nicolas ce thème-là Sarkozy. C'est vous la connaissez dans la Constitution. Non. Non. Et d'ailleurs, vous avez parlé... Pour la PMA, GPA, il est clair, il dit on l'interdit. D'accord, mais dans ces cas-là, pour interdire dans la Constitution, il faut revenir sur la loi Taubira, c'est clair. Chercher à ne déplaire à personne, ça peut être compréhensible, je pense que c'est passé de mode. Il faut faire des choix. Et vous disiez tout à l'heure, 56% des sympathisants de l'UMP seraient contre. Mais ça dépend à quoi on pense, à quoi on parle, là où il y a une confusion totale au début. C'est que sur la question du mariage, la plupart des Français disent « nous sommes favorables ». Au mariage pour les couples homosexuels. Mais seulement, personne n'avait vu qu'il y avait la question de la filiation qui allait de pair, et même avec une incertitude pour certains sur l'adoption. Et vous avez dit sondage, il y a mieux qu'un sondage. Je demanderai au prochain président de l'UMP, parce que je pense que chacun a compris qu'il faudra demander l'avis des adhérents plus souvent et sur des thèmes essentiels. Je demanderai au prochain président de l'UMP d'engager très vite une consultation des adhérents de l'UMP sur cette question du mariage pour tous et de l'abrogation de la loi Taubira, de façon à ce qu'on ne s'en remette pas à des commissions Théodule, qu'on ne s'en remette pas à des sondages, mais qu'on voit clairement ce que veulent... consultation militante, oui. Avec une question claire, êtes-vous... Si on en croit les sondages, c'est joué d'avance. Favorable, eh bien, je pense qu'il faut donner la parole... D'accord. Aux adhérents, je pense que ce serait l'un des c'est premiers sujets. C'est à eux de fixer la ligne sur ce sujet-là. Vous considérez que c'est ni à Nicolas Sarkozy, s'il est élu, ni au bureau politique de l'UMP de fixer le cap. Un bureau politique de quelques dizaines de personnes.
mon Dieu, je préfère aussi quelques centaines de milliers de personnes pour se prononcer. On Il y a plus de bon sens sur le terrain. Non, mais on peut aussi considérer qu'à partir du moment où, admettons, Nicolas Sarkozy est élu président de l'UMP, bah, c'est sa ligne qui l'a emporté, donc il n'a pas besoin de faire ce référendum. Mais comme je n'avais pas compris qu'il y avait de ligne claire pour l'instant, ça vaut la peine de faire une consultation des militants. D'accord. Alors, à propos justement de clarté sur la politique familiale, le gouvernement a annoncé les mesures de cette semaine. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut faire des mesures d'économie, globalement. Donc là, on voit les mesures que le gouvernement a prises. La baisse de la prime à la naissance, le congé parental plus court, si ce n'est pas le père qui le prend, et la baisse des aides pour les gardes d'enfants. Vous, vos propositions, ce sont lesquelles ? Écoutez, moi j'hésite déjà sur ces mesures. Est-ce que c'est un condensé de stupidité technocratique pour faire des économies ? Ou est-ce que c'est vraiment une vision idéologique avec des socialistes qui n'aiment vraiment pas la famille et les familles? J'hésite entre les deux. Des économies à réaliser, je sais les faire. Sur la fonction publique, les propositions que je fais vont beaucoup plus loin en termes de réduction que ces 700 millions d'euros. Je pense qu'en matière de santé, il faudra aussi un nouveau système de santé qui permette de responsabiliser, de faire des économies. Mais attention sur la famille. Parce qu'on ne peut pas se dire en permanence, la France a un modèle démographique qui sert d'exemple, et par petits bouts détricoter la politique familiale. Vous et là, regardez. Vous que la politique familiale, elle est faite pour favoriser la natalité ou pour aider les plus démunis à s'en sortir? La politique familiale n'est pas une politique sociale. C'est la politique fiscale qui sert justement à rééquilibrer ou à redistribuer. La politique familiale, surtout en France, elle a une vocation. Que bien évidemment, on ne fait pas des enfants pour les aides et les primes. Mais qu'à un moment donné, on veille bien à ce qu'une famille avec des enfants, ne vivent pas moins bien qu'une famille qui n'a pas d'enfants. Bien évidemment, il y a des contraintes très différentes, des joies qui sont très différentes, mais en revanche, pour le pouvoir d'achat, pour le niveau de vie, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une famille avec des enfants fasse un sacrifice sur son niveau de vie ou un sacrifice pour ses enfants. C'est ça la règle d'or. Et aujourd'hui, si je vais même un peu plus loin, autant je pense, on l'avait dit, je crois, il y a quelques années, l'enjeu n'est pas de donner une prime au premier enfant. L'enjeu, c'est à partir du deuxième enfant. Et l'enjeu, c'est pour les classes moyennes. Les classes les plus favorisées, les plus aisées, arriveront toujours à se débrouiller. Mais la politique familiale doit vraiment encourager deuxième enfant et plus loin, et les classes moyennes en priorité. Donc les mesures du gouvernement, là, c'était inutile, c'est purement vexatoire, ça fait... Non, c'est des économies de bout de chandelle. On a des budgets de François Hollande depuis 2 ans qui sont tous avérés faux, et on s'aperçoit qu'on est obligé de racler les fonds de tiroir. Il n'y a aucune vision d'ensemble, aucune réelle économie. Donc ils en sont, d'une certaine façon, à s'en prendre à tout ce qui passe à portée de la main, et surtout la politique familiale, parce qu'ils se disent, vis-à-vis des familles, les familles ne nous aiment peut-être pas à cause du mariage pour tous, ne nous gênons pas, ils ont tort. Ça dépasse les clivages. Alors, Une dernière question. En 2011, Bruno Le Maire, qui préparait le projet de l'UMP pour la présidentielle, avait proposé la mise sous condition des allocations familiales. Alors, ça n'a pas été retenu, mais ça montre que la droite aussi. Il y a mise sous condition ou plafonnement. C'est aussi une autre option. Mais il faut bien voir une chose, c'est que vous ne devez jamais toucher à l'universalité des prestations, quels que soient les niveaux de revenus. On ne peut pas vous interdire d'avoir une place en crèche. Et d'ailleurs, dans les mesures qui ont été prises là, on a à peu près un déficit de places en crèche de 400 000. Là, si on retire les aides qui sont données, on va se retrouver dans des difficultés dramatiques. Merci beaucoup, Karl. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine et cette image d'un homme, Peter Kassing, menacé de mort par Daesh, par l'État islamique. C'est un Américain, il a 26 ans. Comment on fait pour arrêter le massacre, Xavier Bertrand ? On les frappe. Ceux qui veulent nous détruire, on les détruit. C'est un langage guerrier, je l'assume. Ceux qui prônent le djihad, l'État islamique, ceux qui vont faire le djihad, ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut muscler le dispositif en France ? Complètement. La loi sur le terrorisme qui a été votée, elle a des avancées. Elle va plus loin que la situation actuelle. Elle ne va pas assez loin sur la question du retour. On prend des mesures pour rendre plus compliqué le départ. Mais s'ils veulent partir, ils partiront. En revanche, comme l'ont fait les Anglais, il faut leur dire que s'ils reviennent, c'est prison. Ça les prive de leur liberté, je le sais. Mais ce qui est en jeu, c'est leur liberté ou la nôtre. Alors c'est la leur qu'il faut amputer. Parce que quand vous voyez ces massacres, vous voyez notre compatriote, ça, ils cherchent une chose, eux. Ils cherchent à intimider, ils cherchent à nous anéantir. C'est eux ou nous. C'est aussi simple que ça. Un homme. Et n'oublions pas, vous me parliez de la scène intérieure. Il y a aujourd'hui des ennemis de l'intérieur en France.
des gens qui sont ici, qui cherchent le meilleur moment pour nous frapper, alors il faut les frapper et les mettre hors d'état de nuire. Jérôme Lavrieux, convoqué début octobre par l'UMP, enfin c'est ce qui était prévu, on attend sa convocation. Si on m'exclut, je parlerai. Il faut aller au bout, ça a trop tardé, il doit quitter l'UMP. Je me suis exprimé depuis bien longtemps sur cette question. Ça traîne trop, c'est ça la question. Non mais attendez, ça traîne trop, pourquoi? Parce que je crois qu'il n'est pas venu à des convocations. Il a attendu pour répondre notamment aux différentes sollicitations de l'UMP. Enfin le sujet aujourd'hui pour Jérôme Lavrieux, je l'ai indiqué, bien évidemment, on connaît la fin de l'histoire. Et pour le reste, sur cette affaire Big Malion, elle est maintenant sur le terrain judiciaire. Je pense qu'elle n'a plus à être sur le terrain des commentaires des politiques. Jacques Chirac, Bernadette Chirac, un homme, une femme, deux positions. Jacques Chirac soutient Alain Juppé, Bernadette Chirac soutient Nicolas Sarkozy. Vous avez été mal à l'aise de cette séquence-là ou quelles leçons vous en tirez? Mal à l'aise par les attaques de Madame Chirac sur Alain Juppé, oui. Pour le reste, famille Chirac est une famille bien française. On ne vote pas et on n'a pas ses préférés. Le mari et la femme n'ont pas forcément les mêmes préférences politiques. D'une certaine façon, on sait le tropisme de Bernadette Chirac pour Nicolas Sarkozy et la fidélité réciproque d'Alain Juppé et de Jacques Chirac. Là aussi, d'une certaine façon, vous me demandez de commenter ce qui est sans surprise. Sans surprise. Eh bien, nous allons passer maintenant aux questions SMS, si vous le voulez bien, questions des téléspectateurs. Jean-François Copé restera-t-il longtemps sur la touche? Je ne sais pas, à lui de le dire. À lui de le dire. Il manque à l'UMP? Aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons eu à affronter, non, la question n'est pas là. On peut se remettre de tout en politique? Sauf de la confiance définitivement abîmée des Français. Si à un moment donné, les Français portent sur vous un jugement très sévère et qui est fondé, je pense que là, on ne peut pas s'en remettre. C'est la question de la confiance. Vous savez, on fait de la politique, les gens pensent qu'il y a mille et un avantages, mais ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. Mais si à un moment donné, dans ce que vous faites, vous n'avez plus la confiance de ceux qui vous ont accordé leur confiance, alors là, dans ces cas-là, il faut mieux arrêter. Il dit que c'est injuste, lui, qu'un jour, on reconnaîtra qu'il n'a rien à se reprocher. Si c'est ça l'histoire, je comprendrais qu'il pense ça. Croyez-vous que l'affaire Big Malion ait définitivement sali l'UMP? C'est aussi pour ça qu'il faudra une nouvelle UMP. Oui. Oui, je pense qu'on a failli mourir, mais vraiment mourir, avec cette affaire-là, parce qu'encore une fois, on a failli perdre définitivement la confiance de ceux qui avaient donné pour le Sarcoton, de nos adhérents. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra tout changer sur les pratiques financières, sur la transparence. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faudra aussi un autre fonctionnement de l'UMP. Vous me disiez tout à l'heure, oui, j'aimerais savoir ce qu'on va entendre par refondation de l'UMP. Est-ce que c'est les adhérents qui vont vraiment décider, comme je proposais tout à l'heure sur la question du mariage pour tous? Est-ce que ce sont les adhérents qui vont imposer des primaires partout et pour tous? Vous avez été secrétaire général de l'Élysée, Non, je n'ai pas occupé cette fonction. Et à l'Élysée, ce n'est pas cette fonction-là qui m'intéresse. Ça vous manque pas, j'avais compris, de l'UMP. Vous ne l'avez pas mis en place, ça? Bien sûr que si. Si? Bien sûr que si. Pour les élections régionales qui ont eu lieu quand j'étais secrétaire général, les têtes de liste ont été choisies par qui? Pas par un bureau politique, par les adhérents. Non, je vous l'ai dit, alors, j'ai certainement plein de défauts, mais pas forcément celui de l'incohérence. On parle de vos qualités dans la prochaine question, ça vous intéresse? C'est allez, pour ça que vous voulez que je quelle qualité avez-vous que vos concurrents à la primaire n'ont pas? Je cherche parce qu'il doit y en avoir plein. Le bon sens. Je crois le bon sens. Ils n'ont pas de bon sens, Nicolas Sarkozy. Vous savez, je viens du privé, je n'ai pas été formé dans le même moule qu'eux, donc c'est peut-être plus facile pour moi d'avoir ce bon sens. Il n'est pas seulement promis. Vous insistez toujours sur ce côté un peu différent de votre personnalité, de votre parcours. Ils se ressemblent autant, ces trois-là, pourtant on a l'impression qu'ils sont très différents. Je crois. Ils se ressemblent bien, je crois que le logiciel est quasiment le même aujourd'hui. C'est quoi le logiciel, comment vous le résumez? Parce qu'écoutez, les idées des politiques ne changent quasiment pas. Les politiques ne changent pas, mais la France, elle est en train de changer. Vous voyez pas le décalage? Vous voyez pas le fossé qui se creuse? J'essaye de prendre en compte aujourd'hui que si la France change, on doit complètement se remettre en cause. Mon idée du mandat unique, du mandat présidentiel unique, c'est aussi un changement. Parce que le président de la République, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À plaire pour être élu, plutôt qu'à faire les réformes. Ça, les Français s'en sont rendus compte. Quelle coupe feriez-vous dans le millefeuille administratif? Quelle coupe? Oui. Conseil général. Conseil général doit disparaître. Il faut garder deux blocs, le bloc commune et région. On supprime? Bien évidemment. Le département? Bien évidemment.
Ça sert à rien, supprime le département. Le conseil général ne sert plus à rien. Le conseil général. Le département, j'habite l'Aisne. On ne va pas rayer d'un trait de plume des siècles d'histoire. Bon, je serai toujours habitant de l'Aisne. Mais la structure politique, il faut qu'elle disparaisse. Et si on a deux fois moins d'élus locaux, avec les conseillers généraux et régionaux qui seront fusionnés, il faudra aussi que l'on diminue le nombre d'élus nationaux. Et puis aussi, parce que c'est peut-être une différence que j'ai par rapport à certains, ce que je vais dire ne va pas plaire à la classe politique, on ne reviendra pas en arrière sur le non-cumul des mandats. Même si on pensait qu'être député-maire avait du sens, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les Français veulent qu'on soit maire à 100% ou député à 100%, mais ce n'est pas les mêmes 100%. Alors, le problème, c'est que tout ça coûte très cher. Le JDD révèle une note confidentielle de Bercy et parle d'un dérapage de 6 milliards sur la réforme territoriale. On parle aussi de baisse des dotations pour les collectivités locales. Dans ce contexte-là, on a entendu Martine Aubry qui dit « Attention, si on baisse les dotations, on va plus pouvoir investir, on va devoir couper dans les politiques de logement. » Comment vous gérez financièrement cette situation-là ? Il y a deux choses différentes. Ce que je propose comme réforme, à terme, permettra de baisser les dépenses. Non, ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement qui a un besoin cruel d'argent, c'est normal, ils ne font pas de réforme. Donc ils sont obligés, encore une fois, de prendre toutes les idées de la technocratie, de la technostructure de Bercy, ils prennent tout ce qui passe. Donc ils baissent drastiquement les dotations aux collectivités. Mais là, il y a un problème, c'est qu'on ne traite pas de la même façon une collectivité qui dépense pour investir et une collectivité qui dépense en fonctionnement. C'est ça aussi, ils le font de façon complètement aveugle. Mais est-ce qu'il faut diminuer ? Oui. Moi-même, j'ai passé une motion dans mon conseil municipal pour dénoncer la baisse aveugle, mais j'ai dit... Mais vous allez augmenter les impôts ? Non. Alors comment vous faites ? Cela fait 6 ans qu'à Saint-Quentin, les dépenses n'ont pas entraîné d'augmentation des impôts, et jusqu'à la fin du mandat, je n'augmenterai pas les impôts. Vous savez ce que je fais ? Eh bien, je fais comme tout chef de famille qui gère son budget. Comme tout chef d'entreprise, je ne dépense pas plus que ce que j'ai. Et si je n'augmente pas les impôts, eh bien, je baisse les dépenses de fonctionnement. C'est même pas la question de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Je regarde si dans les services, on a vraiment besoin. J'ai besoin de plus de médiateurs de rue et de policiers municipaux, notamment pour le centre de surveillance urbaine, mes caméras. Et bien, pour le reste, il y a des endroits où on s'aperçoit qu'en organisant mieux le travail, j'ai pas besoin de recruter. Donc, ça veut dire que le gouvernement a raison de demander un effort aux collectivités locales ? Si c'est pas un effort aveugle, oui. Je pense qu'il faut donner moins aux collectivités locales aussi, mais s'ils avaient un peu de méthode, qu'est-ce que ce serait mieux ? Comment analysez-vous la montée du Front National dans notre pays ? En 30 secondes, pardon, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là. Peut aller très loin si la classe politique ne change pas. Très loin jusqu'où ? Jusqu'au pouvoir, si la classe politique ne change pas. Ma véritable crainte, c'est qu'on se dise aujourd'hui que comme la gauche est en faillite, on le voit bien, en faillite intellectuelle, en faillite politique, c'est que mes amis à droite se disent « Allez, il suffira d'être là et on va gagner ». Il y a plus important que gagner. C'est gagner avec une sorte de pacte de confiance avec les Français sur les efforts qui seront à entreprendre pour avoir à la fois le souffle d'une vision pour la France et le soutien des Français. S'il n'y a pas ça, je ne vois pas ce qui les empêcherait un jour de se tourner vers les extrêmes, mais on peut encore réagir et changer. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse avec votre magazine. On n'est pas que des cobayes. Demain, 17h50, vous retrouvez Yves Calvi pour C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.